gros et neuf de régiment. C'est la fin du jeu, maintenant ça rigole plus. 1. Triste mais réel, ça dure depuis des millénaires. L'homme s'approprie la terre, tuant des civilisations entières. Aujourd'hui les bombes pètent en Palestine, en Irak. Le peuple demande du changement et ne croit plus au miracle. Je regarde ici tous, à notre manière on a mal. C'est tellement le bordel que même les saisons s'en fait la mal. À bout de souffle, on court, en manque de respiration. Nos vies ne seraient-elles que le fruit de leur conspiration. En une demi-heure, ils peuvent changer la face du monde. Quand ils jouent avec nos vies et qu'ils les mettent en face d'une bombe. Tout le mal qu'ils font, bien souvent me fait pâlir. Quand je vois que le sang sur leurs mains n'a pas l'air de les salir. Alors on s'aligne dans les rangs, on obéit, en se disant que finalement ici, ouais, c'est un beau pays. Mais je reste sceptique dans le fond et j'ai peur, je l'avoue, d'un futur où ils veulent nous mettre au garde à vous. Ceux qui ont peur de l'opinion travaillent pour contrôler nos âmes, je crois bien. Ils veulent nous mettre au garde à vous. Et sachez qu'on ne vous laissera pas le choix des armes. Alors frères et sœurs, prenez garde à vous. Ceux qui ont peur de l'opinion travaillent pour contrôler nos âmes, je crois bien. Ils veulent nous mettre au garde à vous. Et sachez qu'on ne vous laissera pas le choix des armes. Alors les frères, les sœurs, prenez garde à vous. C'est la solidarité des peuples qui pourra nous sauver. Pas l'égoïsme des nations prêtes à tout pour nous contrôler. La merde nous pend plus au nez, on l'a prise bien profonde. Les deux doigts dans la prise, les pieds dans l'eau, on attend de quitter ce monde. À l'aube du jour dernier, le complot n'est pas qu'une théorie. Regarde au loin, tu peux voir venir la météorite. Ouais, beaucoup de signes sont là, on n'attend plus que le lever du soleil à l'ouest pour que les derniers deviennent les premiers. Depuis le début, seulement une vérité, Dieu seul est au contrôle du destin de l'humanité. C'est pas la politique ou la toute-puissance des États qui changeront notre état. Même si on sort les Beretta, ils ont pris nos vies en otage. Mais malgré ça, on continuera d'écrire le vrai dans nos pages. Avant le naufrage, on se bat avec la foi comme moteur. Inch'Allah, le pont dans le cœur pour être prêt au dernier étage. Tu traînes le pied, t'as comme une boule à la cheville. Oui, ils ont pris nos vies en otage. Mais avant, sans avoir peur de l'invisible, on va plonger dans le vide. Faudra être prêt au dernier étage. Tu traînes le pied, t'as comme une boule à la cheville. Oui, ils ont pris nos vies en otage. Mais avant, sans avoir peur de l'invisible, on pouvoir plonger dans le vide. Faudra être prêt au dernier étage. C'est bête, mais ce monde est moche et c'est ce qui rend ma plume plus belle. Prison de silence, puisqu'ils veulent du verre. Où je parle d'amour avant que mon cœur s'éteigne et que la bête des regrets me ronge dans un mauvais rêve fait de sang et de plomb. Acerbez le ton, vu qu'il y a une frontière entre nous et vous qui faites céder le pont. Berner la masse est pleine de rêves. Les poules auront des dents quand les moutons arrêteront de brer. Quand le chien mordra son maître, tu prends des coups, mais c'est l'heure de l'esquive. Nous ne resterons que des nombres tant que leur banque respire. De toute façon, tu paies même si t'as pas les billes. Ceux qui te proposent une solution vendent déjà des armes à l'ennemi. M'amène, toi qui voulais avoir de l'autonomie, t'attends les messages du tube cathodique, lobotomie. Si l'illusion fonctionne, c'est que vous rêvez encore, mais vos cœurs entre quatre murs suffoquent. Claustrophobie. Ceux qui ont peur de l'opinion travaillent pour contrôler nos âmes, je crois bien. Ils veulent nous mettre au garde à vous. Et sachez qu'on ne vous laissera pas le choix des armes. Alors les frères, les sœurs, prenez garde à vous. Tu traînes le pied, t'as comme une boule à la cheville. Oui, ils ont pris nos vies en otage. Mais avant, sans avoir peur de l'invisible, pour pouvoir plonger dans le vide. Faudra être prêt au dernier étage. Ceux qui ont peur de l'opinion travaillent pour contrôler nos âmes, je crois bien. Ils veulent nous mettre au garde à vous. Et sachez qu'on ne vous laissera pas le choix des armes. Alors les frères, les sœurs, prenez garde à vous. Tu traînes le pied, t'as comme une boule à la cheville. Oui, ils ont pris nos vies en otage. Mais avant, sans avoir peur de l'invisible, pour pouvoir plonger dans le vide. Faudra être prêt au dernier étage.